Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3 pour une heure d'information régionale puis nationale. Avec le guitariste de jazz Laurent Courtois, il vient de sortir un livre-album, des compositions originales aux influences de Django Reinhardt. Ce sera à découvrir dans notre agenda du week-end. Gel, le bonheur et Django. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter ce charmant petit objet, un livre-disque complètement jazz, signé du groupe Nuages de Swing, paroles et musique, Laurent Courtois. J'ai découvert Django, j'avais 13 ans, en rangeant des disques avec mon papa. Et maintenant, aujourd'hui, je joue avec mon fils Antoine. Le poète a décrit Django. Surpris partout, y compris par lui-même, il se promenait plein de sensations comme un nuage gorgé de pluie. Et j'ai monté un disque... J'ai monté un orchestre qui s'appelle Nuages de Swing. Et au bout de 10 ans qu'il existe, cet orchestre, on ne joue pas que du Django. Laurent s'est emmanouché. Il joue de la musique nomade, celle qu'on peut emporter n'importe où. Ce qu'on y joue, c'est d'abord soi. Et 10 ans après, eh bien, on vient de sortir un nouvel album, uniquement des compositions, parce que je pense que aimer la musique de Django Reinhardt et comprendre sa musique, c'est créer sa propre musique. Voilà. Laurent Courtois vous racontera la vie de Django Reinhardt le 15 février au Belvédère, à Saint-Martin-du-Riage. Mmh.